Séance sous haute tension aujourd'hui, hein, avec pour commencer eh bien, le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et la Fed devra publier un communiqué aux alentours de 20h en France. Et avant cela, eh bien, les investisseurs attendront la dernière enquête ADP sur l'emploi privé, la première estimation de la croissance sur le deuxième trimestre 2013 donc aux États-Unis. Et puis en zone euro, à suivre l'inflation du mois de juillet et le chômage sur le mois de juin donc à 11h. Et du côté des entreprises, plusieurs poids lourds du CAC 40 dévoileront leurs résultats, parmi eux BNP Paribas, EADS, Schneider Electric ou Solvay.